Voilà, nous avons vu notre premier blocage de base, le Gedan Barai, au niveau bas, niveau sous la ceinture Gedan. Nous allons voir notre deuxième blocage de base au niveau moyen, au niveau Shudan, qui se situe entre la ceinture et la tête. Je vous le présente. Nous démarrons Yoi. Systématiquement, nous allons faire un Gedan Barai pour nous mettre dans les conditions de travail les meilleures. Préparons le bras sur le côté. Tous les segments du bras sont à 90 degrés. La paume de la main est bien vers l'extérieur. Je tends le bras, je me déplace et ici je fais un mouvement circulaire oblique descendant. Surtout, l'avant-bras dépasse l'épaule arrière. Je tends le bras, je prépare, je me déplace. Et je fais mon mouvement circulaire descendant en tirant bien l'autre point équité à la hanche. En reculant maintenant, je prépare bien mon bras, je me déplace et je fais mon blocage. Je prépare bien mon bras, je me déplace et je fais mon blocage. Comme tout à l'heure, avec un petit peu de dynamique. En reculant, et je reviens au Yoi pour terminer. Vous n'oublierez pas surtout de répéter cet exercice une dizaine de fois. Je vais vous le refaire sur un pas, comme tout à l'heure, sans déplacement, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas de place. N'oubliez pas de bien serrer la ceinture abdominale. À chaque fois que mon blocage est terminé, j'ai la ceinture abdominale serrée. Surtout, on protège bien le dos et on travaille bien son travail de hara. Voilà.